Mon histoire débute sur cette île déserte. Ma vie me plaisait bien, mais elle devenait un peu monotone. Jusqu'à ce qu'un jour... Non. Hé, hey, poil de carotte. Quoi? Vite, viens par là. Moi, c'est Maurice la souris. Et comme je t'ai sauvé la vie, tu ne me mangeras pas. Oh, les chats mangent vraiment les souris? Hein? Non, non, bien sûr que non. Alors les souris mangent les chats? Seulement en cas de légitime défense. Nous sommes au musée de l'Ermitage. Je viens d'une famille d'experts en œuvres d'art. Il n'existe rien de plus délicieux au monde que l'art authentique. Nom d'un gruyère! Une souris. Attrapez-la! Pourquoi tu n'es pas en train de chasser la souris? Je ne peux pas manger cette souris parce que je l'ai déjà mangée. Hein? Nous gardons et protégeons le musée de l'Ermitage. On n'endommage pas l'étoile. Nous protégeons toutes les œuvres d'art. Le tableau le plus célèbre du monde, il arrive ici demain. Grignotez la Joconde! Je vais entrer dans l'histoire! Une seule éraflure sur un tableau, un seul grain de poussière qui traîne. Et tous les chats diront adieu à leur travail. Et que, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme dans le musée! Un fantôme? C'est le fantôme du musée, celui de la légende. N'approche pas tes sales poils tout bleus de... ma copine. On va se débarrasser de cet horrible rongeur une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bonjour. Si jamais tu abîmes cette toile, je n'aurai nulle part où aller. Vincent, viens surveiller nos arrières. Les chats au musée. Maman, regarde! Un chat qui vole! Ne dis pas de bêtises, ça n'existe pas, voyons. Oh, non!